Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau live sur Lost Ark. Et aujourd'hui j'ai prévu de parler de pas mal de choses et de vous montrer encore davantage de contenu et de gameplay. Alors tout d'abord faisons un point très rapide, je suis niveau 32 sur ma Spirit. Faut savoir que j'ai perdu énormément de temps à faire toutes les quêtes jaunes qui étaient proposées par le jeu. J'ai perdu aussi énormément de temps, bien sûr, à faire les montages en dehors de mes lives. Et en fait, je me suis rendu compte, après une discussion avec certains guildmates, que ce n'est pas utile de faire les quêtes jaunes sur le jeu. On peut se contenter de faire uniquement la quête principale. Les quêtes jaunes, en quelque sorte, à part quelques exceptions qui sont un peu plus importantes en termes de récompenses de monnaie, sont franchement inutiles. Et en fait, même si elles sont rapides à faire, sont une perte littéralement de temps. Donc, ça me servira de leçon. En tout cas, aujourd'hui, j'ai prévu de vous montrer pas mal de choses. La première, c'est on va faire du donjon. On va lancer le donjon sur lequel je suis à la fois en NM et en HM. Comme ça, on va pouvoir comparer la version NM de la version HM. Ça fera l'objet... Il peut arrêter de faire du bruit, l'autre. Ça fera l'objet... Ah ! Pénible, lui ! Comme ça, ça fera l'objet d'une vidéo dédiée au donjon. Let's go, sous-sol de Rose Noire. Donc je la connais pas, vous avez vu, j'avais la quête scénario, hein, donc je l'ai jamais fait. Et on va le faire en NM, puis on va essayer de le proc en HM. J'espère qu'on va réussir à le proc en HM, sinon on le lancera tout seul en HM pour comparer. Parce que j'ai vraiment envie de comparer un NM et un HM sur un seul et même donjon. Même si c'est un donjon bas level. Voilà, c'est très glauque ici. Réponds-nous. Je vais peut-être leur envoyer un texto, hein. Ce sera plus pratique. Et on va vite rejoindre les mates. Donc là, je vais dans pas mal. Alors maintenant, il faut que je me sers beaucoup plus de mon ulti. Donc je me sers jamais. C'est vrai que le niveau 1, en fait, il dure hyper longtemps. Il a un très court cooldown. Donc en fait, il faut le spam. Hein. Et on passe en niveau 2, voire 3 sur des boss, quoi, en gros. Grossièrement, hein, c'est ça. Ce sort un peu pété, là. Ouais, on va s'en servir de temps en temps, hein. Faut passer par le bas, j'ai l'impression, non? C'est par le bas, les gars. Regardez votre minimap, hein. Un peu sombre, ce donjon. C'est good, on peut aller là-bas maintenant. Regardez votre minimap, les gars. Ah là là. Ils sont à l'ouest. Ok, mon ulti en fait me booste, vous voyez là je suis en niveau 1, 5% de vitesse d'attaque, dégâts infligés 10%, niveau 2 c'est genre 30% de dégâts, niveau 3 c'est genre 60%. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant je m'en servais pas, parce que je trouvais que je tape déjà suffisamment fort en fait, je trouve le jeu plutôt facile durant son leveling, mais bon, autant l'utiliser, hein. D'ailleurs c'est un clic, en plus ça recharge plus vite l'énergie. Tiens, oula mais j'ai énormément de stuff que j'ai pas du tout équipé. Hop. Change pas auto. Voilà. Allez, on va rattraper notre groupe d'amis. Alors les donjons, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est qu'il y a une atmosphère particulière. C'est pertinent dans le sens où il y a plein de petites choses à activer, des fois des pièges. Moi, j'aimerais plus de pièges. Je trouve que c'est plus intéressant. Pourquoi pas des énigmes aussi, ce serait cool. J'espère qu'il y en aura. Et après, il y a des boss aussi. Et ça, les boss, ils font le taf. Oh, ils ont de la gueule. Ce que j'aime pas trop, c'est les donjons un peu trop à rallonge, où il y a plein de petits packs de mobs. Peu d'intérêt, quoi. Peu pertinent. Et il y en a eu quelques-uns comme ça. Je sens son pouvoir, gloire au chaos, loué soit le maître. Eh ben... Tout s'est tué. C'est un peu lent au niveau dégâts, mais c'est pour tester le sort. Salut les gars. Ah, il meurt trop vite. Je vais le laisser le finir.
Ouais, les dégâts sont pas fous en fait, hein. Trop de petits hits en fait. Je préférais mon laser limite. On va le garder pour ce donjon, histoire de tester quelque chose de différent. Enfin, qu'est-ce qui se passe? L'intruse! Et toi, tu peux pas bouger ton gros fiac? Porciné. Et coucher le chien. Il est sympa ce donjon quand même, je trouve déjà. Donc, je pense que ce sera un bon choix pour le tester en HM derrière. Oh, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Profiter qu'il soit de dos comme ça là. Comment ça marche sur les boss, les snares, ce genre de truc? Je ne pense pas, mais bon, jamais. Alors, on passe niveau 2. Au 3. Je fais n'importe quoi sur ce cycle, hein. Faut pas regarder le cycle. Je teste des nouveaux sorts, donc la barrière, pas fameux non plus, mais bon, c'est pour changer. Ouais, c'est pas grand prêtre ça. Rien à voir. Alors ce sort de bump à chaque fois qu'on se prend là, les petites cases, c'est tellement chiant, je trouve. Les 4 dans le laser sur 4 directions. Ça sort nulle part là. Très pénible. Ce qui est appréciable quand même dans le leveling, c'est qu'on a vraiment beaucoup de sorts à tester. Et on peut les modifier et tout. Et moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'adore tester les sorts. Le jeu n'est pas spécialement dur pour. On peut tester les sorts, on peut se faire plaisir. Alors peut-être que. Il serait temps de se réveiller. De quand même taper un peu les mobs quoi. Alors, on va se mettre en niveau 1. Oh, genre, je t'endors. Hein. C'est pénible, lui. N'importe quoi. Allez, on va passer niveau 2. Ce sera mieux. Voilà, parfait. Tant pis. Ouh. Oh, je laisse-moi le temps de me relever. Et il s'arrête plus là. Il est lancé le boss. J'aurais jamais dû prendre ce spell en vrai. Ah ouais, il est bien, mais. Pas forcément sur une situation de. De boss comme ça. Il a été mis au sol. Ah, je suis pas passé à niveau 3. Où je suis où? Comme une brèle. Allez, on va essayer de d'être utile à notre team, même sur les packs de mobs. Bon, déjà, les packs de mobs sont plus résistants. Et ça, je dois vous avouer que c'est pas pour me déplaire. Parce que perso, les packs de mobs en chips, ça commençait à bien faire. Et du coup, je trouve ça plus pertinent. Ok, ici, c'est fait. Faut passer par là, les gars. Par là, par là, par là, par là. Bon, c'est pas grave, je vais le faire pour vous. Y a des mobs. Passer niveau 2. Ah mais avec ça comme mob en fait. Doucement en fait déjà. J'ai cru qu'il y avait un peu plus de mobs.
Donc on va pas passer en niveau 3, on va attendre que le CD s'annule tout seul, ça a rien passé niveau 3. C'est vraiment niveau 2, niveau 3, c'est sur des boss au final, et le niveau 1, c'est vraiment juste pour les mini-monstres. Mais je ferai une vidéo des gameplay Spirit quand je serai 50 et que bah, j'aurai plus de recul aussi par rapport à tout ce que j'ai pu constater pour le moment. Ça va, ils s'en sortent bien. Allez, c'est parti les gars. Embauche. Ouvrir la voie. Déjà activée. Non, on est obligé de se les faire. Parti. Ça, il est rapide ce donjon en plus. Franchement, je l'apprécie celui-ci. Donc je suis content d'avoir que le timing a fait que ce soit sur ce donjon-là que j'ai essayé le NM et le HM. Parce qu'il y en avait et que c'était moins intéressant. Allez, round 2. Bon. Ah, les dashs dans les murs, ça c'est pénible. Quand on frôle le mur, ça l'annule. Oh, j'appuie sur ma touche, ça part pas. Qu'est-ce qui se passe? On va clean un peu tout ça là. On va passer le niveau 1. Non. Je suis bourré ou quoi? Alors, on va passer le niveau 2. Non, non, non. Je vais esquiver. On va se mettre dans son dos. On l'a fait tomber. J'ai vu la sort, il est parti, il arrive fait. Ah, ça c'est pénible. C'est pile au mauvais moment. Par contre, j'ai plus de mana, c'est la Hesse. Ça arrive pas souvent, mais. C'est un peu plus long à HM du coup. Là, on sent que. Yep. Ah, t'es obligé de courir avec le boss. Hein. Ah, je suis en galère de mana, faut que j'ai mal géré mes niveaux 1, 2, 3, ça vient de là. Ouais, bon. Allez, c'est parti. Ah, trop lent. Ma faute, hein. Allez, il est tombé par terre. Et c'est bon. Plus résistant, hein. Plus résistant, on voit mieux les mécaniques. Après, ça n'a rien changé en termes de mécanique, par contre. C'est toujours la même chose. Donc. On verra sur le boss final. Allez, la salle de torture. On va défoncer tous ces gens. Regardez-moi comme ça, comme il est torturé. Ah là là. Ça, ils sont gentils, hein. Je compare la scène de torture de Berserk. Ça n'a rien à voir, hein. Avec ceux qui sont avec les capuches noires et tout, là. Ouh là là. Rien à voir. Hop, un petit pack. On met la paume de feu. Il n'y a plus rien, là. En fait, quand il fait ça, faut se mettre que en mode esquive. C'est quoi ces freezes là? Ah, je suis mort en fait. Ce freeze que je me suis pris? Je passe vraiment pour un méron là. En même temps, les sphères étaient toutes sur moi, j'étais bloqué. J'ai utilisé mon dash, ça freeze, mais ça freeze parce que je suis mort. Il n'y a pas de secret. Oh, ça pète de partout. Et les dégâts, ils sont insane. Après, je dois avoir un level éclaté, mais bon. Là, on va essayer de esquiver. Quand il fait ça, là, il fait plusieurs salves. C'est bon, t'as fini? Non. Deuxième à chaque fois.
Allez, c'est parti. Passe niveau 2. Essaye de se mettre dans son dos. Ça, faut l'esquiver à tout prix. Beaucoup plus résistant. Et du coup, beaucoup plus intéressant aussi. Non. Il ne mourra pas. Ah. Pénible ça. Où est le bon? Il est là. Il est là. On aurait pu se mettre niveau 1, niveau 2, niveau 3. C'est bien sympa en HM. En vrai, c'est bien sympa en HM. Hein. C'est beaucoup plus... Et pourtant, c'est que des donjons de leveling, là. Donc, c'est que des donjons de début de jeu. C'est bien plus intéressant. Bon, on connaît la cinématique. On peut pas la passer. On va devoir se la retaper.